à tous. À Télé-Jeans aujourd'hui, on parle de radio amateur, de campagne d'information sur l'alcool et de Zachary Richard, entre autres choses. Mais la radio amateur d'abord. Il y en a 700 000 à travers le monde qui s'y intéressent, dont un roi, le roi Hussein de Jordanie, et un ex-candidat à la présidence des États-Unis, le sénateur Barry Goldwater. Au Canada, il y en a 22 000. 22 000 personnes qui sont susceptibles d'entretenir des communications radio entre elles, mais aussi des personnes qui se regroupent à l'intérieur de clubs et d'associations nationales. Nous, on a rencontré l'un des plus jeunes radioamateurs au pays. Il a 13 ans. Il s'appelle Sylvain Faust et il habite à Montréal. Il nous a d'ailleurs reçus chez lui pour nous montrer l'équipement dont il dispose et puis aussi pour nous faire une démonstration. Oh. Bon, ça y est. Avec qui tu étais en contact? Avec quel endroit? Une station de territoire du Nord-Ouest. Le territoire du Nord-Ouest. C'est ça. Ça va loin? Tout le tour de la boule. Tu peux entrer en contact comme ça, n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui? Ça dépend. Ça peut faire. C'est dépendamment des conditions atmosphériques, de l'ionosphère. Comme là, j'étais sur la bande des 20 mètres. Hmm. Une bande de radio amateur, j'ai appelé appel général par hasard. Puis, par hasard, une station de territoire du Nord-Ouest m'a répondu. Ça pourrait être un de mes voisins, comme ça pourrait être Station URSS. C'est souvent. Sont pas rares, les stations. Des qu'on appelle DX, c'est des stations qui sont très loin, comme l'Afrique, l'URSS, l'Australie. Mm-hmm. C'est tous en code Morse ou en code de la téléphonie, ouais. Pour parler. Ouais. Mais toi, tu utilises surtout le code Morse, oui. D'après ce qu'on peut voir. Mais c'est quoi ça, ou juste le code Morse, comment ça marche? Le code Morse, c'est un groupe de petits traits, de petits traits et de grands traits qui forment des lettres, comme par exemple la lettre A. C'est à l'oreille, ça nous donnerait ceci. Quand on parle, on dit « dit da ».« Dit » pour un petit trait, mm-hmm. « da » pour un grand trait. OK. Et à chaque lettre correspond différents types de points ou de traits. Bon. Il faut l'apprendre, c'est long? Ça dépend. Parce que moi, j'ai pris ça tout seul avec un livre, puis quelques cassettes de code de Morse. Il y a des cours qui se donnent de radio amateur en groupe. Et puis, il y a les codes Morse, la théorie pour l'examen et puis tout qui se donne avec le cours. Ça m'a pris 5 ou 6 mois pour maîtriser le code Morse et la théorie. Mais il y en a des personnes, ça lui prend plus de temps, dépendamment de l'âge et du temps qui porte. Pour apprendre. Mm-hmm. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 13 ans présentement. T'as 13 ans? Oui. Puis ça fait pas plus qu'un an comme ça que tu t'intéresses au radioamateur? Non. J'ai eu un an, j'avais seulement que ces deux appareils ici, plus ces deux appareils ici. Et puis, il faisait quasiment le tour du monde. Mais à un an, je me suis ramassé tout ce qu'il y a dans la chambre ici. Mais tu quasiment gratuitement. Portes-tu ton temps à. Rien qu'à ça, ou bien si tu fais autre chose, tu vas à l'école, j'imagine? Oh oui, bon, je vais à l'école. Après l'école, je suis toujours ici. Est-ce que tu as dû passer des tests ou des examens quelconques pour pouvoir communiquer avec les gens comme ça à travers le monde? Oui. Il y a deux types de licences ou de certificats qui existent au point de vue radioamateur au Canada. Il y a le certificat radioamateur, mm-hmm. et puis le certificat supérieur de radioamateur. Et puis, le premier certificat qu'on peut passer, le premier de tout, on peut pas sauter tout de suite au deuxième, c'est le certificat de radio amateur, là, le premier. Qu'on soit à 10 mots à la minute, le code Morse, examen écrit, théorie, etc., etc. Et là, on a le droit seulement, pendant un an, de faire du code Morse sur les bandes internationales, des appareils comme ceci, mm-hmm. ou celui-là, le VAT. Et faire des communications locales au point de vue de VHF en FM sur les bandes de 2 mètres des appareils plus petits ici, comme les puissances moindres, avec des paires répétitrices sur les montagnes
Pour obtenir la licence pour faire des communications internationales en téléphonie, oui. C'est au bout d'un an seulement. Et puis l'examen est un peu plus compliqué, le code morse est plus vite. Et c'est là, après ça, on obtient la deuxième licence, qu'on a le droit de faire la téléphonie sur les bandes ondes courtes. Penses-tu pouvoir l'obtenir bientôt, toi, cette licence-là? Moi, je vois demain. Demain? C'est ça. Quand l'émission va passer, je vois déjà avoir été passé. Cœur, écho 2, écho 1, cascore, VE2, EMO, ici, VE2, FET qui t'appelle. OK, Claude, tu me diras comment ça va. Et puis là, comme je te... Peux-tu me dire... Tantôt, j'ai fait une station du... Territoire du Nord-Ouest. Peux-tu me dire si t'en as déjà fait une ou laquelle que t'as... La plus loin que t'as faite pour l'instant. VE2 AMO, VE2 FET. VE2 FET, VE2 AMO. OK, tu disais que non, j'ai pas fait de VE8. Ce que j'ai fait, madame, c'est... J'ai fait l'Uruguay, j'ai fait les États-Unis, le Mexique, l'Espagne, la Suisse, la France, l'Angleterre, la Yougoslavie. Ah, j'ai fait de la Russie. Le plus loin que j'ai fait, c'était un VK, un VK2. L'Australie. Que j'ai fait en Australie, sur la mort sur le 20 mètres. C'est à peu près le plus loin que j'ai fait. Les deux FET, les deux EMO. Mais est-ce que vous vous envoyez des lettres, par exemple? Oui, justement. Avez... Après que le contact est fait, pour confirmer le QSO, ce qu'on appelle le contact, lui, on envoie des cartes QSL. Ça fait partie du mot du code Q international qui veut dire accusé de réception. Ah bon? Et les cartes QSL, comme par exemple la mienne, je fais rentre en contact avec un Américain. Mm-hmm. Mais tout ce que je fais, c'est lui va avoir ma carte QSL pour confirmer à ses amis. J'ai fait une station à Montréal, l'amateur avait 13 ans, par exemple, et puis tel appareil. Moi, j'envoie ma carte QSL par la malle ou par service QSL bureau. C'est des services qui existent pour les amateurs pour l'expédition de cartes QSL. Puis toi, tu en as reçu plusieurs, je pense, venant d'un peu partout dans le monde. Oui, j'ai reçu des cartes QSL d'Europe. Des Américains, ça, c'est pas difficile. Tous les districts, ça, je les ai quasiment tous. J'adore les cartes, ça. Je les collectionne de tous les pays du monde, là. Surtout après 100 pays, on peut faire partie de clubs. Toi, tes lettres d'appel, là, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est quoi? Bon, c'est VE2-FET. VE veut dire le Canada, mm-hmm. 2 veut dire la province de Québec, et FET, c'est distribué à chaque amateur précisément. On te remercie pour le QSO, et puis je te retourne le tour pour le ton final, VE2-EMO, VE2-FET. OK, VE2-FET, VE2-EMO. OK, c'est bien, ça marche. Est-ce que tu as l'intention de faire ça longtemps, de la radio amateur, comme ça? Toute ma vie. Toute ma vie, ça c'est passionnant. Même un jour, je peux pas communiquer, je garde mes lettres d'appel, et puis ma licence, et puis après, quitte à revenir, bien, on va sûrement faire tout le plus longtemps possible. Bonjour Sylvain. On est allé chez toi, c'est à ton tour de venir faire un tour en studio. Sans t'inviter, c'est parce qu'on aimerait en savoir davantage sur les radios amateurs. D'abord, tout l'équipement là, qu'on a vu sur film là, chez toi, est-ce que ça coûte bien cher? Non. Ça dépend. De valeur neuve, ça valait quand même assez cher, une bonne somme à investir pour avoir l'appareil. Mais la plupart des appareils que j'ai chez nous, c'est des appareils seconde main qui ont déjà été utilisés et puis que j'ai pu avoir pour une somme très très basse ou qu'on m'a donné pour ça faire de la place pour que les autres aient d'autres équipements. Vous faites des échanges entre radioamateurs? Oui, on fait des échanges, plusieurs sortes d'échanges, un peu des échanges matériels, des échanges de cartes postales. Bon. Ou plusieurs. On m'a dit que les radioamateurs, ça pouvait avoir une grande utilité. Dans quelles circonstances? Les circonstances des catastrophes, comme au Guatemala, je crois qu'il y avait eu... Un tremblement de terre c'est ça. Ouais. Il y avait une station de radioamateur à Montréal, par hasard, qui avait entendu une station du Guatemala qui appelait MED, c'est-à-dire un appel à l'aide. Et puis la station, c'est la première personne qui a pu avertir la Croix-Rouge internationale qu'il y avait un séisme au Guatemala. Et ça se produit assez souvent, des choses comme ça? Très souvent. Ah bon. Maintenant, il y a une différence, j'imagine, entre les radioamateurs et puis les amateurs là, de ce qu'on appelle le CB. C'est quoi, en fait, la différence? La différence, c'est pour commencer les CB dans les années 60, quand ça a commencé, quand c'était, je pourrais dire, là, inventé ou en tout cas instauré. Instauré, c'est ouais. Ça. C'était pour les communications, pour les magasins commerciaux qui n'avaient pas tellement d'argent pour du système VHF FM pour les communications.
que maintenant, c'est rendu qu'ils sont au-dessus de 80 000 CBS dans la région de Montréal. Et puis ça, c'est n'importe quoi. Ça sert... c'est l'utilisation quasiment... C'est illégal, ce qu'ils font présentement sur les bandes. Aujourd'hui, ça sert plus à ça. Ça sert juste pour quasiment du même erreur, ce qu'ils font. Mmh. Je pense que finalement, être un radio amateur, c'est s'intéresser plus à l'expérimentation pas à l'électronique. C'est ça. Bon. Ben, je te remercie beaucoup, Sylvain. Da-di-da-di-da-da-di-da, da-di-da-di-da-da-di-da. Qu'est-ce qu'on entend en écoutant CQ Serenade? Da-di-da-di-da-da-di-da, da-di-da-di-da-da-di-da. C'est épatant d'entendre souvent CQ Serenade. Les ondes sont remplies d'amateurs de tout pays. Le monde en est couvert et ne soyez pas surpris d'entendre ces amateurs qui se comprennent si bien. Voilà pourquoi ils chantent ce refrain. Da-di-da-di-da-da-di-da, da-di-da-di-da-da-di-da. On est content quand on entend ce joyeux refrain. Que vous soyez russe ou français, américain ou bien anglais, c'est la même chose quand on s'appelle CQ Serenade. On se comprend dans le monde entier, sans aucune difficulté. Dans toutes les langues, tout le monde s'arrange, c'est le même refrain. L'amour de la TS est fait pour nous, sacré. Il ne faudrait pas essayer de nous l'enlever. Si tous les pays faisaient comme les amateurs, ce serait un véritable bonheur. Si dans le monde tous les gars disaient comme nous, da-da-di-da, on serait heureux comme des rois, on n'aurait plus de tracas. Plus besoin de la bombe atomique, ce serait curieux, ce serait comique. Les présidents, les dictateurs chanteraient tous en chœur. Ah, quel bonheur, chanter en chœur, CQ Serenade.